six vertus du sang de Jésus. Premièrement, nous racheter de la malédiction du péché. Le sang de Jésus a la capacité de nous rendre purs. Seul son sang. C'est Esaïe 1, 16 à 18 dit, je lis en français, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Verset 17, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. 18 dit, venez et contemplons, dit l'Éternel. Ce soir, l'Éternel m'envoie te dire. Il m'envoie vous dire. Venez et plaidons. Venez et plaidons. Il dit, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la linge. Si ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine, encore du blanc. Mag connaît ce principe. Quand les chimistes voient ce principe, ils sont étonnés. Ils disent, vos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la laine. Papa Joseph prie pour lui, croit qu'il reçoit le miracle. Vérifie maintenant et qu'on bénisse le Seigneur. Donne-moi un amen plus fort que ton voisin. Les péchés sont rouges comme les cramoisis. Il les rendra blancs comme la neige. C'est-à-dire péché rouge. Sang de Jésus rouge. Cette addition, ça donne blanc. Donne un amen, je vais dire quelque chose. Donne un amen plus fort que ton voisin. Ah, pèse amen, moutana gimpoanza, comprendre que prier et c'est bandiawa. Pèse amen, oh moutana ndaku, alingi ko rendre âme sikoyo, ngouye kote la na voya oya zo yoka. Pour les chimistes, pour la bâton à chimie, rouge plus rouge. Motane au bakisi motane égale à rouge. Et qu'on pèse à motane. Ce qu'on dit couleur à rouge. Au mélangeant, on a couleur à rouge. Et qu'on pèse au rouge. Et qu'on pèse à pembeté. Mais naïebi chimie céleste. Ça, c'est un miracle. Le rouge de ton péché. Le rouge du sang de Jésus. Ça donne le blanc. Crie fort, miracle. Esaïe 53 dit, il était blessé pour nos péchés. Esaïe 53, 5. Écoutez bien ceci. Le seul remède au péché, c'est le sang de l'agneau sans tache, le sang de l'agneau sans défaut. Je viens prêcher Jésus. Je parle de Jésus. Tu ne m'entends pas. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Le roi de rois, le seigneur de seigneurs, le saint qui a accepté de mourir pour toi. Quand on parle de la croix, un enfant de Dieu doit comprendre que c'est la base, c'est la base, c'est la base de notre foi. Bien-aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus seul résout le problème du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas être content quand tu dis tu te marieras, tu monteras, tu descendras. Toi, enfant de Dieu véritable, quand on parle de la croix, tu dois comprendre que si la croix n'avait pas eu lieu, tout le reste n'allait pas avoir lieu. Je parle à un enfant de Dieu qui comprend que la croix est importante. Jésus est mort à la croix pour toi. Il a versé son sang. Il a abandonné son trône. Il est venu sur la terre. Si tu n'étais que seul, il allait faire ses longs voyages. Il est né dans une crèche. Il est sorti par la croix. Il est entré par la honte. Il est sorti par la honte à cause de ton amour. Donne-moi un amen de bien. Il s'appelle Jésus.
Le boss là, peut comme on a Yesu. Amen. Et yo, il s'appelle Jésus, le boss. Comme on a Yesu, il y a un boss. Genèse 3. Et ben, le bon sato. Adam et Ève sont tombés. Adam, mon père, et ou bakoyi. Adam. Adam comprend qu'il est nu. Asosole tazabotubu. Qu'est-ce qu'il fait? Nini sali. Il va se fabriquer des habits de fer. Akei komin tongela et lamba ya matiti. Mais quand Dieu vient. Adam se cache. Adam, quand le péché est en toi, tu commences à fuir la présence de Dieu. On ne se répand pas à sa propre manière. Adam s'est confectionné des habits de feuilles. Mais quand Dieu vient, il lui dit, regarde ici, ne sois pas dans le spectacle là-bas. Regarde la prédication ici. Quand Dieu vient, il dit quoi à Abraham? S'il est guéri, il faut toujours réagir directement. Pasteur Michel, il faut coordonner tout ça. Alors, quand il vient, Dieu le vient, il leur fait revêtir d'une peau. Balance la main pour que je comprenne que tu es avec moi. C'est beau vous voir à partir d'ici quand vous balancez comme ça. Adam a confectionné des habits de fer. Mais quand Dieu vient, suis ici, il dit ce n'est pas ça. Il te faut un habit de peau d'animal. Quand il y a une peau d'un animal, ça signifie qu'on avait tué cet animal. Le sang a coulé. On a pris cette peau. On a couvert Adam et Ève. On ne se répand pas de péché de sa propre manière. Il y a un péché que tu dois confesser chez quelqu'un. Tu es là, tu avais tué quelqu'un à bout portant avec une balle. Tu es là, tu as sacrifié un membre de ta famille pour le succès. Tu n'es pas dans ce terrain. Dieu me dit que tu es dans un véhicule ici à côté. C'est un véhicule fumé. Ainsi parle l'Éternel. Répands-toi, répands-toi. Le sang de ton frère crie. L'Éternel a sacrifié un animal pour les revêtir des habits de peau. Ça démontrait déjà que la résolution du problème de péché nécessitait le sang. Mais ça montrait déjà que le plan du salut était en marche dès que Adam était tombé. Seul le sang de Jésus ne peut résoudre le problème du péché. N'oublie pas, sous thème, six vertus du sang de Jésus. Romains 8:1 établi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le sang qui a coulé est trop fort, est trop pur, est trop puissant. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a de salut en aucun autre nom. Sous le ciel, aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus. Ce qui sait comment on a eu sauté. Bien aimé dans le Seigneur. Apocalypse 5:9. Quand on l'adorait, il y avait des peuples de toutes langues. Moi j'ajoute de toutes races. Jésus nous a racheté par son sang. Au ciel, il y aura des Congolais. Il y aura des Chinois. Il y aura des Français. Il y aura des Singapouriens. Il y aura des Hutus. Des Tutsi, des Bantou, bien aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus nous a rachetés. Je veux que quelqu'un crie fort. Le sang m'a racheté. Yes. Boye.
et il n'y a plus de condamnation. Dès qu'il t'a pardonné par le sang, c'est fini. N'aie plus de culpabilité. Genèse 22. Isaac veut adorer Dieu. Il prend son fils. Verset 5, il dit, nous allons adorer le Seigneur. Il dresse l'autel. Il lit l'enfant. Il le place sur l'autel. Il lève le couteau. Quand il veut poignarder, le ciel dit, n'avance pas ta main. Bien-aimé, le sang d'Isaac. Après cela, quand Isaac, Abraham a sacrifié le bélier qui était là, Dieu a fait alliance avec Abraham. Il a dit ta descendance, ils seront comme les étoiles, les sables de la terre, comme les étoiles du ciel. Ils posséderont la porte de leurs ennemis. La descendance dont Dieu parlait, ce n'était pas que la descendance Israël. C'était Israël et les nations. Donc, le sacrifice du seul Isaac ne pouvait pas racheter et les Juifs et les païens. C'est pourquoi Dieu avait arrêté ce sacrifice. Il y avait un sang supérieur. Le sang de l'agneau. C'est le sang d'Isaac. Est un sang souillé. Ce n'est pas un sang pur. Parce que Isaac était né de la chair et du sang. Mais je te parle de quelqu'un. Yeshua Mashiach. Jésus de la croix. L'homme de Galilée, habitué à la souffrance, il était méprisé, humilié, il était blessé pour le péché. Son sang à lui est un sang pur. Lui n'est pas né d'un père physique, biologique qui a donné la sémence. La sémence de sa vie est venue par le Saint-Esprit. Jésus seul avait le Saint-Esprit. Sang pur pour nous sauver. Yes, pas Isaac. Isaac te. Pas Bouddha. Bouddha te. Pas qui que ce soit. Krishna ne sauve pas. Jésus. Et ça c'est Yeshu. Je te présente ce soir. L'agneau immolé. L'agneau sans tache. Le Père voyait des sacrifices. Qui ne lui brisait pas. Psaume 41 à 5. Mais voici Père, envoie-moi pour faire ta volonté. Donne-moi un amen, je vais dire quelque chose. On est pas amen à côté. Donne-moi un amen, je vais te dire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur. Isaac était sur l'autel, mais il n'était pas une offrande. Il était l'offrande d'Abraham. Mais Isaac n'était pas une offrande. Une offrande, c'est volontairement. Il ne faut pas qu'on va singa. Faut yomoko matana et tumbelo. Yango, Yesu, aouta likolo. Aya, bakanga et basingate. Ami pesa yemoko. Des personnes sont venues l'arrêter. Il demande qui cherchez-vous? C'est Jésus. Dès qu'il se présente, ils tombent tous. Il dit encore qui cherchez-vous? C'est Jésus. Dès qu'il se présente, tous tombent. Après, il dit, je donne ma vie, je donne ma vie. Isaac, il est obligé à payer sa vie. Mais je te parle de quelqu'un qui a donné sa vie par amour. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Même si tu étais seul dans le monde, Jésus mourait pour toi seul. Je viens dire à quelqu'un, je te rassure que le sang de Jésus nous purifie. Nous sanctifie, nous justifie. C'est un sang pur, un sang parfait qui nous lave totalement et parfaitement. Et ça makila ya peto makila o bongi ezo sukola biso na mopimba. Je relis encore Esaïe 1 16 à 18. Na banel suko tanga Esaïe moko mlonga somo na motoba kino somo na mwambe. Gauthier va interpréter maintenant. Lavez-vous et purifiez-vous. Bosukwa ma pe bomi peto la. Ôtez de devant mes yeux
la méchanceté de vos actions. Bon, longola liboso ya miso na nga kanza ya misala na bino. Cessez de faire le mal. Botika ko sala mabe. Apprenez à faire le bien, verset 17 bon, de Ésaïe 1. Molonga somi na sambo ya buku na Ésaïe mokapo ya liboso. Boye ko la ko sala bolamu. Toi qui me suis, apprends à faire le bien. Yo zo la nga ye ko la ko sala bolamu. Recherchez la justice, protégez l'opprimé. C'est fait toi à l'orphelin. Défendez la veuve. Yo mutoza obote la lupangu ya ba orphelin. Kene ko zongi sa sinon zamba ko beta yo. Boluka bo sen bo sembo na boyengi na bozindo. Bo bate la moto asana mi mabe. Bo sana bo lamu na moto akufela maboti. Bo kote na moto akufela mobali. Ton père a ravi la parcelle de son petit frère. Tata na yo abote la lupangu ya leki na ye. Qui est décédé. Bo esa kufa. Et ton père t'a donné toi. Tu es ici. Tu as 24 ans, la gestion de cette maison. Quand tu vas rentrer, dis à votre papa, je ne veux plus gérer. Mongo yanda ko masumo obotola batundaku. Soke suyo te pesanga amen. Soko za mwana nzambe. 18, venez plaidons, dit l'Éternel. Boya petole le longo elobi umena seko. Si vos péchés sont comme les cramoisis. Ceux qui m'assument n'ont pas besoin de l'eau d'Angola. Ils deviendront blancs comme la neige. Et coco m'empêche l'eau d'Angola m'empêche. S'ils sont rouges comme la pourpre. Ceux qui m'assument n'ont pas besoin de l'eau d'Angola. Ils deviendront comme la laine. Et coco m'assument les lambas m'empêche. Apprenons à confesser nos péchés. Toiye coco l'acotou mais m'assument n'a pas besoin. Dieu demande à quelqu'un d'entrer de jeu. Zamba singe na motomo kosi kane koteli. Jusque ça quand garderas-tu ces choses secrètes qui t'enlèvent pourtant la paix? Le poids de la culpabilité te fait manquer la paix. Tes actions secrètes sont connues par Dieu. Moïse avait tué un Égyptien. Il a pris l'Égyptien. Il a ouvert les sables. Il a caché. Il croyait qu'il avait caché. Mais quelques jours après, un juif lui a dit, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien, tu l'as caché. Je viens dire à quelqu'un, ce que tu fais n'est pas caché. Bientôt ça va se savoir. La seule issue de sortie que Dieu te donne, c'est la confession. Et ça, c'est la confession. Et ça, tout bela. Ah, il n'y a pas d'amen. C'est la confession. Amen. Et ça, c'est bela. C'est la repentance. Et ça, yambola. Repends-toi. Yambola. Le sang de Jésus. Makila na Yesu. Et le prix le plus élevé qu'il a payé. Et ça, motu ya o et tomba milikolo ya sila kofuta. Il y a même quelqu'un ici. La culpabilité te gagne. Non, viens confesse à Dieu. Deuxième vertu du sang de Jésus. Le sang de Jésus a le pouvoir d'assainir nos sources et libérer du poids des ombres et des malédictions générationnelles qui pèsent sur les destinées. Le sang de Jésus. Vous connaissez cette histoire de deux rois d'eux. Où le prophète Élisée arrive dans une ville. On dit que le séjour est bon. Mais les sources ont des problèmes. Et il a pris les sels. Il est parti à la source. Il a jeté les sels. Je me lève ce soir. J'applique le sang de Jésus là d'où les combats viennent dans ta famille. Tu n'as pas compris. J'applique le sang de Jésus dans la parcelle où tu habites, hein? C'est en train de nettoyer des choses quand tu donnes amen. J'assainis par le sang de l'agneau immolé. J'assainis ta maison par le sang. J'assainis ton bureau par le sang. J'assainis ta chambre à coucher par le sang. Écoutez-moi bien. Toute cérémonie faites à la porte de ces lieux. Oh, ma tcha mon bondo. Yaro ma ramala me zoko koyate. Makila yesu nettoyant. Oh, baby, sa ma cérémonie. On attend vos opes amen. Milulu nyonso. Oh, salamana ekuke.
Oh, et si quand les choses glorieuses doivent arriver ne parviennent pas à cause de cette cérémonie, je lève ma main. La tombe le bon Jéricho était maudit. Il y a lu que la calamité m'a béni. Depuis Josué 6. Où t'as eu son bocal dans le toba? Le roi 16. Par contre, j'ai mis balé mon roi. Le roi a voulu rebâtir Jéricho. Bon, quand tu m'as regardé, ton asika est là. Il a rebâti. A tellement se fait. Mais la malédiction a continué. Qu'est-ce que c'est là qu'elle m'a béni? Mais dans 2 rois 2. Qu'est-ce que c'est là qu'elle m'a béni? Le type de Jésus est venu. Montre le lingue à Jésus. Avec le sel. Namungwa. Le sel est purificatrice. Namungwa est pétolaka. Le purificateur. Pétolaka. Je te présente le sang de Jésus. Nathalie Makilana Jésus. Je te présente le sang de l'agneau. Nathalie Makilana Pétolaka. Le sang qui plus fort que le sang de tes ancêtres. Makilana Ganga Makasila Kama Kama. Le sang de tes ancêtres qui malédiction. Le sang de Jésus crie bénédiction. Makilana Banko Konezo Ganga Lakel Mabe. Yesu Ganga Panzala na village natal. Le sang de tes ancêtres te condamne au célibat et aux pertes de grossesse, aux morts précoces avant 35 ans. Mais le sang de Jésus crie victoire. Hébreux 12, 24 me dit. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Ça crie plus fort que les cérémonies qui ont eu lieu. Na milieu yote kakawana au côté ka malgré bango ya sala ba cérémonie tango zo pesa main. Tu vendras bien qu'ils aient fait des cérémonies. Jésus en train de voir des masques descendre. Na somo na ba masque kolonga. Makila Yesu nettoyé au masque de vieillesse longwa yo. Makila Yesu puisse nettoyer que ce masque de vieillesse soit ôté. Le sang de Jésus nettoie les voiles. Bakomona yo désormais au nom de Jésus. Et te makila na Yesu et pète la ba voile désormais on te fera la babe wana likolo na yo. Li babe wana s'en est fini au nom de Jésus. Kana kisasa. Autrefois qui jassa. Ce qui mutan malédiction. Quand quelqu'un était porteur de malédiction. Alors qu'il ne ils allaient se faire la fête. Auprès de femmes qui lèvent. Aujourd'hui. Bokenda kapa ya Yesu. Nous allons vers Jésus. Otazon di mela yango. Celui qui croit à cela. Nazomona bazo sukolo biloko eso longwa. Je te vois te faire laver et les choses sont en train de quitter ton corps. Les gens allaient vers le féticheur pour se faire laver. Mais aujourd'hui, toi, tu es venu vers Jésus. Jésus m'a envoyé. Moi, je suis plus fort que le féticheur. Moi, je suis souverain sacrificateur de Dieu. Je me tiens devant l'autel de la marque. Je me tiens maintenant devant l'autel de la marque. Je me tiens devant l'alliance du Dieu qui m'a appelé. Je lève ma main dans le nom de Jésus. À moins que ma belle oh Yesu akitaki awata sopa qui m'a kilané awate. Le bête Jésus ne soit pas descendu et versé son sang sur cette terre. Mutakolongo la ma belle oh azate ma kilané se sopana. Celui qui peut te vaincre sur cette terre n'existe pas car le sang de Jésus a coulé dessus. Je vois des étoiles. Nasomo na binzoto. Mais qui ne brille plus. Kasho etakata sous terre. Le sang de Jésus. Ma kilané Yesu. Si tu crois ils ont comme le psycho. Sorozon di masela. Le sang de Jésus va nettoyer ton étoile. Je vois des étoiles nettoyées par le sang. Matthieu 2. Les anges. Qu'est-ce que j'ai dit? Les mages étaient à l'Orient lointain. Mais l'étoile de Jésus brillait à Jérusalem. Le sang de Jésus nettoie ton étoile tellement. Que des gens feront des kilomètres parce qu'ils ont vu ton étoile. Les mages ont dit à Hérode. Nous avons vu l'étoile du roi des Juifs qui vient de naître. Nous sommes venus de l'Orient lointain. Nous sommes venus pour l'adorer. Ton étoile va libérer une force d'attraction. Après qu'un croisade et qu'on comme impossible son passé de toi après ces croisades deviendra impossible. On ne va plus t'ignorer pas comme on a sous caractère. Je nettoie ton étoile par le sang de l'agneau et tu commences à prier. La pète du monde sort de la maquille à Yesu. Quand le sang de Jésus nettoie ton commerce dans mon maquille à la pète le bonbon on a eu comme on a eu une identité na yoana ton son nettoie mon maquille à Yesu. Ambassade d'union son comme on est rokende. Et à raquette yabro. Chakaro. Yabro sote la bahata sinte. Maketo robo. Yabro sata la bahata. Chakaleme ikao. Raquette yabro. Nazo nettoyer ma étoile la maquila. Je ne
sang de Jésus. Tu vas prier. Au Kotakata. Les gens viendront de loin. Tant qu'ils ne seront pas arrivés là où tu es, ils n'auront pas de paix. La gloire va te localiser. Quand tu cries fort, je reçois, reçois-le. Oh yes, on s'en le nom à qui l'an a eu au soukoula. Et le qui make up, et le qui make up, et le qui make up. Ce que Jésus fait aujourd'hui par son sang, en te nettoyant, en te purifiant, c'est plus que le make up. T'as la tchèle au niveau, tchèle au niveau. Fais comme ça sur ton visage. Ça, l'acte prophétique. Pose un acte prophétique. Soukola, soukola mon amakila. Lave ton visage par le sang de Jésus. Toi qui as une peau qui est malade, makila, yese longola ba kalwana, et longola ba butowana, et longola ba kwanza wana. Tango zope sa men makila nettoyé. Kenena ba toilette, vérifie, yaro témoigner. Va vers le toilette, va vérifier, reviens nous pour le témoignage. Saraba, batubaza ba lali. Il y a ici devant les gens qui se sont allongés par terre pour chercher Dieu. Quand l'eau de la piscine de Bethesda bouche, on n'attend plus qu'on vienne te dire plonge. Toi-même, tu commences à faire ton service. Tango maye timana Bethesda ningani, ko sala te baya ko bwa ko mi bwa ka yo moko banda ko sala mosala na yo. Donne-moi un amen qui croit. Donne-moi un amen qui croit. Troisième vertu du sang. L'icoti a mis 7 heures maquila. Elando yobo. Sakate kera. Endelekita yo. Inte brakaha. Le sang de Jésus. Maquila na Yesu. Crie devant les hôtels sataniques. Eko ganga kaliboson abitumbele ya soloka. J'ai déjà dit ça. Le sang de Jésus, Hébreu 12, 24. Crie plus fort que le sang de tes ancêtres. Le sang que tu portes, c'est un sang humain. Ce n'est pas toi qui as commencé ta vie. Ta vie est la prolongation du sang de tes ancêtres que tu portes. S'ils ont baptisé, s'ils ont livrer les générations futures. Je sais que tu portes ce sang. Mais tu es passé aussi par Golgotha. À Golgotha, c'était comme si le monde était malade et on devait transfuser par le sang de Jésus. Je vois des transfusions par le sang de Jésus ce soir. Avant qu'on ne fasse une transfusion, on doit d'abord tester pour vérifier même la compatibilité. Ganga makasi, je suis compatible depuis Golgotha. 1 roi 18. Le prophète de Baal. On commençait à se faire des imprécations. Et le sang coulait. Ils ont invoqué Baal. Mais Baal n'est pas venu. Dans le monde spirituel, tout culte fait avec le sang donne la puissance à celui qui le fait. Mais ces jours-là, ils ont fait des imprécations. Mais Baal n'est pas lui venu. Je lève ma main vers celui qui croit. Moutounios a kosala ba pacte de sang contre yo. Nzambe na ye a kokoko bimate au nom de Jésus. Toute personne contre toi qui fera de pacte sont bloqués par culte na bango au nom de Jésus. Nous bloquons leur culte au nom de Jésus. Alléluia. Quatrième vertu. Le sang de Jésus est un sang libérateur. Ça, j'ai aimé. Ils étaient dans l'esclavagisme. Ils travaillaient. Ils n'avaient pas de salaire. Ils étaient dans la servitude. Dieu a commencé à envoyer Moïse. Va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'ils aillent me rendre un culte au désert. Pharaon a résisté. Première plaie. Deuxième plaie. Troisième plaie. Quatrième plaie. Vous le savez. Il a jeté les bâtons. Serpent. Ça a avalé les bâtons des magiciens. Pharaon a résisté. C'est pourquoi tu verras, malgré ma retraite, ma jeune. Bien que tu sois en jeûne et en retraite plusieurs fois, le diable est toujours en train de résister. Ce point va libérer la puissance de finition.
Parce que ton combat a longtemps duré, ça a trop longtemps duré. J'ai dit à Moïse, tu as fait trop de va-et-vient entre l'Éternel et Pharaon. Quand Dieu te dit, va dire qu'il libère. Quand tu vas, tu démontres la puissance. Le pouls sort, l'eau a le sang. Vous connaissez les plaies, mais Pharaon ne lâchait pas. Le sorcier de ta famille, malgré ma moto, malgré ma gêne sec, Azotikate et Exode 12, c'était la dixième plaie. Quelqu'un peut crier fort, la dixième plaie. C'était le sang de l'agneau. Je lève ma main. Que ce soir, Dieu libère l'ultime arme que Dieu sort pour mettre KO Pharaon et l'obliger à libérer tes finances, à libérer ton mariage, à libérer ta santé, à libérer ton sommeil, à libérer tes enfants de la boîte, de la vie de boîte de nuit, à te libérer d'Internet. Tu es esclave de la pornographie. Quand tu me donnes amen, le sang t'affranchit. Sors de dépendance de drogue. Bima la kotale la bagne makasi. Sors, sors. Bima, bimani. De la vie de deuxième femme. Na bomo ya mwase mi balé. Sors de ces choses. Bima la makamboyo. Le sacrifice de l'agneau et du sang amènera toujours la mort des premiers-nés de l'Égypte. Mbeka ya mpate. Et comme un watango nyo sa. Koufa ya babote mbeka ya mbeka ya mbeka ya mbeka. Quand l'agneau a été immolé. Dans les maisons des Égyptiens, leurs premiers-nés sont morts. Les premiers-nés sont morts. Je parle de, ses fils, de son fils nocturne. Je ne vais pas parler de son fils. J'ai pris pour toute personne qui est ici. Pourquoi Dieu avait attaqué le premier-né de l'Égypte? Les premiers-nés appartenaient toujours aux divinités. Les premiers-nés étaient des enfants comme des offrandes à Dieu. Donc les premiers-nés de l'Égypte étaient consacrés à Pharaon, au Dieu soleil, au Dieu, au Dieu, au Dieu. Pour qu'il y ait culte, il faut qu'il y ait une offrande. Donc le premier-né appartenait au Dieu. Quand Dieu veut frapper Pharaon, il frappe les enfants qui appartenaient au Dieu. Comme ça, il n'y a plus de culte. Je lève ma main. Tes ennemis ne pourront plus faire des cérémonies. Quand le sang de l'agneau crie, les premiers-nés de tes ennemis sont sacrifiés. Parce que le premier-né, notre grand frère Jésus, a donné sa vie pour toi. J'ai prié pour tous les aînés qui sont là. Tu es aîné, je lève ma main pour toi. Aîné parce que tu es aîné en tant que premier fils de tes parents. Ou encore aîné parce que l'aîné naturel est mort. Parce que l'aîné naturel a sa koufa. Mais il y a aussi des aînés qui ne sont pas aînés, mais Dieu t'a élevé dans la famille et tu commences à occuper comme une position. Les aînés ont des batailles. Je lève ma main. Zamba midi en prière a tchayo pouwa. Que le Dieu de midi en prière puisse te soutenir. Bako simba yote. On ne pourra plus te toucher. Aîné soka longi ba obatikali ba longaka. Si l'aîné remporte la victoire. Je te présente l'aîné de notre famille. Il s'appelle Jésus-Christ. Comme on est Jésus-Christ. La Bible l'appelle le premier né d'entre les morts. Tel que lui a vaincu, nous aussi nous vaincrons. Là où le cri est passé, le fils s'en suivant. Comme Jésus n'a jamais été bloqué, personne ne te bloquera quand tu donnes amen. Mon côté à Kokokokangayo. Parents, je bénis ton premier-né. Mon poti, n'a pas mal moi à l'iboso. L'Éternel libère sur lui la gloire de la percée. Où me laisse quand je fonds la colonne avec Kembo Yakotobo. De sorte que ces batailles sont réglées. Je bénis ton premier-né. Tu m'entends? Je bénis ton premier-né. N'a pas mal moi à l'iboso. La vigueur de ta force.
J'ai béni ton premier né. J'ai béni ton premier né prophétique, ma déjà. J'ai béni ton premier né. Même si vous êtes encore fiancé, donne même l'offrande, même s'il n'est pas né. J'ai béni ton premier né, tu m'entends? Il réussira. Quand Dieu utilise l'arme suprême du sang de l'agneau, Pharaon et l'Égypte lâchent prise. Pharaon et l'Égypte ont lâché prise. Ils ont dit aux enfants d'Israël, partez. Quand ils veulent partir, ils demandent même des bocals, ils viennent avec. On les a remplis d'or. Pendant plusieurs années, ils travaillaient, on ne les payait pas. Mais quand le sang de l'agneau a crié, on te paiera tous les mois de ton salaire qui t'a été. Je lève ma main. Que le sang de Jésus brise les liens de la servitude. Comment tu travailles beaucoup, tu n'as pas de résultats. Je m'oppose aux forces qui combattent ton travail au nom de Jésus. Finis la surexploitation dans la dure servitude. Cinquième vertu du sang. Exode 12. Nous montre qu'ils avaient pris le sang. Ils ont placé sur les linteaux. L'ange destructeur était venu. Mais il ne pouvait pas entrer. Quand vous avez le sang du constructeur, le destructeur peut quoi? Je te présente le sang de l'agneau. Je l'applique à la porte de ta maison. Finis les promenades des esprits méchants dans ta chambre. J'applique le sang de Jésus sur ton véhicule. Voilà, la rentrée scolaire est là. J'applique le sang de Jésus dans les cartables de tes enfants. Sur les uniformes. On n'envoûtera pas ton enfant cette année. La puissance du sang a fait que Pharaon a libéré. Je vois des portes de prison s'ouvrir. Le sang va commencer à toucher. Jésus va commencer à toucher par la puissance de ton sang. Le sang crie. Toi aussi tu peux accoucher. Le sang crie. Toi aussi tu peux être propriétaire d'un véhicule. Le sang crie. Toi aussi tu peux faire l'entrepreneuriat. Le sang crie. Toi aussi tu peux faire l'université finie. Quand tu me donnes amen, amen. Le sang de Jésus. Crie plus fort. Que le sang de tes ancêtres. Que le sang des personnes qui te combattent. Le sang de Jésus. Crie plus fort. Que les condamnations de ta belle famille. Mets-toi debout, quelque chose arrive. Pasteur Joseph nous a donné un témoignage. Non, le témoignage à l'église qu'il avait dit. Sa fille fait les stages. Sa fille fait les stages. En tant que médecin. Et le maître des stages dit à sa fille, mais toi comment tu ne me rêves pas? Tu dois me rêver souvent. L'enfant rentre à la maison. Quelques temps après, elle rêve le maître des stages. Le lendemain, quand elle va maintenant là à l'hôpital, le maître des sages lui dit, je t'avais dit que tu devais me voir souvent dans tes songes et c'est bien fait pour toi. L'enfant rentre chez le pasteur Joseph. Il dit, papa regarde. Pasteur Joseph dit,
va lui dire, la prochaine fois s'il apparaît dans ton songe, je vais utiliser une machette. Le lendemain, l'enfant rentre au travail. Le chef, le maître stage, le chef de stage commence à le fouiller. S'ils veulent se rencontrer, ils le fouillent. S'ils veulent se rencontrer, ils le fouillent. Et un jour, ils se rencontrent tous les deux. Écoute ce que le maître de stage dit. Mais toi aussi, on ne peut pas faire une blague. Je lève ma main dans le nom de Jésus. Mes paroles, les paroles de Jésus sont plus fortes que les paroles du féticheur. J'annule l'accident. J'annule les accidents. Ma porte est bloquée. Les portes bloquées souffrent par le sang de Jésus. Ton étoile va briller au nom de Jésus. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte parce que le sang crie. Que le sang crie, tu sors du célibat. Tu sors de la stérilité. Tu sors de ces péchés. Papa, quand le sang est appliqué sur les lenteaux, l'ange destructeur va venir. Moi, c'est mon bébé, c'est quoi mais il va trouver une barre poteau. Il va trouver une barre poteau. Ils entreront partout sauf chez toi. Makila na voiture na yo. Le sang sur ta voiture. Makila na téléphone na yo. Le sang dans ton téléphone. Makila na compte bancaire na yo. Le sang dans ton compte bancaire. Makila na passeport na yo. Le sang dans ton passeport. Makila na carte d'identité na yo. Le sang sur ta carte d'identité. Nazo ganga na mutazo ndi makila. Je crie sur la personne qui croit le sang. Papa de Delando. Tout vrai quinoa. Moi na kino nyo sa solo. Qui est héritier? Oya sambo sangoli. Quand ils s'entendent pas entre eux. Ils ne veulent pas vendre la maison. Ils écrivent cette mère parcelle n'est pas à vendre. Ils mettent même l'ordonnance de juridique. De la justice. Et le numéro du dossier. Je vois sur quelqu'un, il est écrit plus que ça. Si on voit de tels écrits sur une parcelle, même si tu avais ton argent déjà prêté, tu éviteras les problèmes. Je le vois commencer à éviter les problèmes sur toi. Gloire et dimension amen na yo. Que ton amen puisse attirer la dimension de la gloire. Je le vois. Il y a Rekabashata. Ma chapre ya Nadio Pascal. Moi non pas te na pasika. Déclare que ton territoire devient insurvolable. Tatola te tando na yo botoko ko tambo la likolo te. Comme ka koleka likola ko kwa ya nu na butu. Celui qui osera survoler tout sur ton territoire va tomber nu sur. Ibuana ya susu. Puisses-tu venir encore? Ya susu na butu. Qui ose encore venir chez toi la nuit? Makila. Makile landona bandoto. Que le sang te poursuive jusque dans tes songes. Que le sang te poursuive dans tes songes. Mais lié ça on a bouté même ma cancer sans ango makila. C'est quand t'as fait de manger la nuit, vomilé par le sang. Maladie on est écouté dans tes raka ya ba. Mashaka tala baya. C'est rabo. J'applique le sang de Jésus sur tes enfants, sur ta boutique, sur ton véhicule, sur les uniformes des enfants. Sixième vertu. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Nous guérit. Selon qu'il est écrit, Esaïe 53:5. Par ses meurtrissures. Nous sommes guéris. Jésus. Yesu a été flagellé. A fiakula makifimbo. Babeta esete na makolo. On lui a placé le clou dans le pied. Poyobela susu maladie a makolote. Pour que tu ne sois plus malade de rhumatisme. Natomboli loboko. Je lève ma main. Ma maladie nyo so makolo e ya wezo pika na mangila Yesu. Que toutes les maladies liées au pied venues en ces lieux sont guéries par le sang de Jésus. Paralysie va-t'en. Paralysie kenda. Douleur de pied va-t'en. Passe ya makolo kenda. Bazolinga ba peso maladie pokata musala e ko simba te o nom de Jésus. On cherche à te donner la maladie pour que tu arrêtes de travailler, ça ne marchera pas au nom de Jésus. Maboko. On lui a placé les clous aux mains. Nazo déclaré. Je déclare. Maboko na yesa ya kopambwama. Tes mains sont bénies. Bakawana balati so ya mwindu po simba kambongo te. Mbongo eklisako maboko toboka.
makila yese kanga batruya maboko na yo nom de Jésus. Que le sang de Jésus puisse enlever tout le trou qu'on a placé dans tes mains pour que tu ne touches pas. Maboko aneko simba ba montant. Ses mains toucheront au montant. Maboko yobete la kayesu maboko eko signer ba contrat minene. Les mains que tu utilises pour acclamer Jésus signeront de grands contrats. Je vais bénir celui qui croit. Nalina pambolo azondima. À l'église on croit à la parole. L'église abandime la kaneli loba. La Bible ne dit pas si tu veux la gloire tu croiras. Si tu crois tu verras la gloire. Il faut d'abord croire. Ne cherche pas d'abord à voir. Toi tu dois d'abord quoi? Je déclare sur quelqu'un. Après cette croisade, tu toucheras des montants d'autorité. Tu signeras des contrats avec cette main. J'ai béni les mains de tes enfants. Je déclare que tes mains ne sont pas trouées. Fini les pertes mystérieuses. On l'avait fait porter une couronne de pieds. Fini les maux de tête. Fini les maux de tête. Fini les maux de tête. Demandez à ma boko. Makila. Makila. Demandez prière. Makila. Ozani, ba o tchao loboko. Qu'est-ce que tu entends quand vient t'imposer la main? Neko fungola maboko, fungola maboko. Bondela, eh, bondela. Bondela. Nzamba me mibiso pa mbate. Beta maboko. Makila yesu na bandoto nanga. Makila yesu na porte bureau na biso. Makila yesu. Mets-toi à battre les mains. Le sang de Jésus dans ma chambre à coucher. Le sang de Jésus sur mon oreiller. Que le sang crie, que le sang nettoie l'étoile. Sois dans la prédication. Le sang de Jésus, j'applique le sang de Jésus sur mon étoile. Que mon étoile soit purifiée par le sang de Jésus. Que de loin que l'on me foie, que de loin que mon... Au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus sur ma porte de boutique. J'applique le sang de Jésus. L'ange destructeur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'ange destructeur qui vient pour détruire mon commerce voie le sang de Jésus dans mon étalage et passe outre. Que l'ange destructeur qui vient apporter des maladies voie le sang de Jésus dans ma porte, dans la porte de ma maison et passe outre. Nettoyez pour son nom la maquila, voile les olombres, masque les olombres. Maboko, 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 ah, maquila. Au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus sur mon corps, que tous les boutons, toutes les tâches indescriptibles, indéfinies et incompris sont en train de partir. Au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus sur tout mon corps, de la tête à la plante de pied. Jésus.